Ombre de vent de Ganon. Seul Link peut vaincre Ganon. Il est énorme. Ses tirs sont précis. Alors c'est Metroid. Oh! Bah non, ses tirs sont pas précis du tout, il tire en rafale. Si je le mets une petite perle. Déjà, un arc de 38 dégâts. Avec une petite perle de flèche archionique. Allez, viens ici, Ganon. Bouffe ça. Il se téléporte. Tu m'as vu, je t'ai vu aussi. Headshot. J'ai eu dans le bras. Headshot. Par contre, je pouvais plus bouger parce que voilà, c'est en mode cinématique. Ouais, surtout s'il est tout le temps dans les airs. Olé, olé, olé. Hola, amigo. Aïe, aïe, aïe. Casta la poussa. Alors ces mots over. Putain, il crée des cyclones quoi. Ouah. Prends ça. Les flèches électriques, j'avais vu que ça lui faisait presque rien. Headshot, headshot. Prends ça. Ah, c'est téléporté avant quoi. Où est-ce qu'il est? Je le vois même pas. T'es où? Il va super haut. Par contre, dernière flèche, désolé Ganon, mais tu vas mourir. Au revoir. Il est en train de se dire non, pourquoi? Ma mission est échouée. Pourquoi j'ai fait échouer ma mission? Je fonds. Attention, c'est une bombe. Ça fait vraiment une bombe. J'aurais voulu que ça fasse genre une espèce de supernova qui éclate carrément, tu sais, qui repousse l'oiseau limite, qu'il explose quoi en fait aussi avec l'oiseau. Genre scène épique. Scène épique montée avec EA Dice. Par contre, j'ai la télécommande qui veut plus marcher parce que si j'arrive pas à changer de chaîne, je ne verrai jamais les messages. Donc salut Castune. Salut Castune. Oh, et bienvenue. Oh, voilà, on sait très bien. Oh.
Ah la la la. Un cœur de plus, yeah. Une fois l'unité principale activée, il vous sera imposé de retourner à l'intérieur de la créature divine. Voulez-vous l'activer maintenant? Activez. Allez, téléchargement en cours. Du torse poil du prince pigeon. Le prince piaf. Ferme, t'es mort. Tu es un fantôme. Révali ! Oui, c'est ça. Cela dit, faut bien avouer que c'est grâce à toi si mon âme a été libérée. J'ai même pu récupérer le contrôle de mes dons. T'es bien débrouillé, je dois le reconnaître. Une récompense est de rigueur, j'imagine. Je vais t'offrir le pouvoir des courants ascendants. La rage de Révali est maintenant tienne. Final Flash. Ça fait marrer ce genre de, d'animation. Je vais maintenant me charger de déplacer Medo et la préparer à notre affrontement contre Ganon. Quand tu seras prêt à le combattre au château d'Hyrule, nous serons tous deux là pour t'aider. Ne me remercie pas. Allez, vas-y, je ne te retiens pas. J'ai encore beaucoup à faire, je me trompe. La princesse, cela fait si longtemps qu'elle t'attend. Ah oui, j'y pense, la princesse Zelda. Vu que elle est pas en mode congélateur comme moi pendant 100 ans. Et si elle est toujours en vie, elle doit être super vieille. Bon, Link aussi, il est super vieux. Mais il a pas vieilli du tout en fait. Il faudrait dire que Link, allez, on va dire qu'il a 17 piges, 17, 16 ans, 17 ans, on va dire. Mais il a endormi pendant 7 ans, en gros, il a 117 ans, en gros, Link. Mais il a pas vieilli une seule fois. Est-ce que la princesse Zelda, c'est pareil? Est-ce qu'elle s'est endormie quelque part, enfermée dans un truc aussi? Après, je sais pas. Hein. Si, j'imagine la princesse Zelda, genre, qu'elle a vieilli physiquement, quoi. Genre, elle est moche, quoi. Ouh. Putain, mais j'aime trop ce genre de pose, quoi. Ce genre de scène tellement classe. Laser maximal. Viens, Medo. Tu ne pouvais pas choisir meilleur endroit. Ici, tu ne risques pas de manquer Ganon. Quand le Gringal et l'affrontera, je compte sur toi pour calmer ce monstre d'un coup bien placé. Exactement. Il me faut patienter. Ça fait 100 ans. 100 ans qu'on attend ce moment, toi et moi. Eh ouais, exactement. Tu as ça prêt, n'est-ce pas? Cette pause. Je suis bien obligé de reconnaître que je l'avais mal jugé. Il a beau ne pas savoir voler, il est arrivé jusqu'à la créature divine. Réussi là où j'ai misérablement échoué. Je m'incline. Tu as gagné. Eh ouais, respecte-moi. C'est moi le boss. Tu te la pètes, hein. T'es comme Vegeta. Vegeta, il se le raconte. À la fin, c'est obligé de danser comme des Power Rangers avant de te donner les pouvoirs. Mais c'est ça qui est génial, quoi. Sinon, tu l'as fait le 100% de Mario Kart 8 Deluxe. Oui, je l'ai totalement signé à 100%. Mais Mario Kart 8 Deluxe,
il l'est fini à 100%. Donc, et en plus que je suis fini à 100%, putain la vache, le menu principal, elle change. Et c'est pas où. Alors j'ai quelque chose à voir, ça se trouve je dois monter. Hé. Oui. Oh. Bonté divine, quel soulagement de te revoir en vie. Tu as réussi à le calmer, va Medo, n'est-ce pas? Il suffit de le voir poser au sommet du village pour s'en convaincre. Elle a perdu son aspect menaçant. Si la légende dit vrai, la lumière des créatures divines mettrait fin au règne du fléau. Famedo, devenue la protectrice de notre village, entrera de la légende à tes côtés. Oh, il a vraiment une voix très drôle, quoi. Oh. Mais j'oubliais, je dois t'offrir une récompense digne de ton exploit. N'hésite pas à te servir dans ce coffre. Je ne doute pas une seconde que son contenu puisse se révéler utile. Je n'attendais pas moins de l'héritier du prodige. Et tu es le vivant portrait du prodige Ilien qui s'est battu aux côtés du grand Revali il y a 100 ans. Il te manque que la lame purificatrice. On raconte que la lame purificatrice, que portrait du prodige Ilien, sommeille désormais dans les bois perdus. Oui, je le savais qu'il serait dans les bois perdus. La Master Sword, parce que l'épée du prodige, c'est la Master Sword déjà. Elle est dans les bois perdus. Arc de l'aigle, oh. Tire 3 flèches consécutives. Elle serait capable de tirer 3 flèches consécutives. Déjà, j'ai celui-là. 31 dégâts. Donc voilà quoi. Voilà. Mais celle-là. Ouah. C'est génial. Et ça fait un magnifique feu d'artifice. Et ça va super loin. Hein. Ça peut toucher super loin. Il serait dans ce jeu. Dans ce jeu, il serait capable de pouvoir faire un. Comment dire, genre un ennemi se retrouve genre à des kilomètres d'ici, on serait capable de le toucher de là quoi. Et toi, salut toi. Bonjour. Apparemment, Vamedo ne viendrait plus terroriser le village. Je me sens soulagé d'un poids énorme. Tiens, c'est drôle, je ne m'étais même pas aperçu que je fredonnais cette vieille chanson. Tu m'as entendu? Chante encore. Oh, ça me gêne un peu. Très bien, allons-y alors. La grande tour des piafs aussi noire que je l'ai. Que l'ai-je que le. Bah, faut que j'apprenne à lire. Alors, la grande tour des piafs aussi noire que le jet. Ça se dit vraiment ça, que le jet? Au zénith du soleil, il montre sa vraie nature. En fait, il y a un deuxième couplet, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Ah bah, c'est dommage. Si tu veux vraiment l'entendre, tu peux aller demander à ma sœur Solilet de te chanter, de le chanter. D'accord. La chanson des piafs. Voilà. On va faire vite fait cette mission. Salut toi. La grande tour. Salut. Alors, comme ça, ma soeur Della t'a dit de me demander les paroles de seconde complet de la chanson du village. Quelle tête de Linotte. Quelle tête de Linotte, celle-là. Linotte, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je n'arrête pas de lui rafraîchir la mémoire. Bon, je veux bien te chanter notre chanson, mais à une condition. Prouve-moi d'abord que tu saurais la retenir. Récite-moi le premier couplet que ma sœur t'a chanté. Je vais essayer. Très bien, je t'écoute. Le grand mur. Désolé, mais tu es trop... Reviens quand tu auras connaître le premier couplet. Bon, elle dit quoi déjà, elle? Toi.